There's good guys out there, which, by the way, is another thing that my pregnancy changed because I had a boy. I was very much a man hater before I had my son. And now I'm like, I'm still very much a girl's girl, but I'm more of like an ally of all people versus just women now, because I look at my son and how pure and innocent he is. And I'm like, there's a little Milo and all these men out there. Like, they have a mom that thinks about them the way that I think about my son. Yeah. And that's really helped me see that, like, there humanize are. Humanize them a little. Non, mais là, j'ai failli pas la reconnaître. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau du maquillage. Mais au début, j'étais pas sûr. C'est Lana, là, c'est comment, là? En tout cas, le maquillage fait des miracles. Parce que je te promets, c'est même pas une blague. Je te promets, j'ai pas reconnu au début. Est-ce que toi-même, tu l'avais reconnu, déjà? Bon, bref, en tout cas, moi, je suis toujours admiratif par la femme moderne de pouvoir dire en toute détente, tu sais, moi, je hais les hommes. Je hais les hommes. Oui, avant, j'haïssais les hommes. Et puis, des fois, j'en jetais un ou deux par la fenêtre et je faisais deux, trois MeToo. Pour qu'on puisse rigoler, parce que dans la vie, il faut quand même avoir du fun, hein, voilà. Donc je trouve ça toujours incroyable. On sent qu'elles sont oppressées, hein, là, par le patriarcal. On sent vraiment, voilà. En normal, en toute détente. À chaque fois que j'entends, je... Ah ouais, ah bon, personne ne dit rien. Or, c'est même pas qu'on soit, ça me dérange, que tu dises, oui, tu hais les hommes. Bon, franchement, enfin, je m'en bats les reins, en fait, finalement. Ce qui me dérange, c'est ce courant-là des femmes qui aiment bien sortir misogyne à tout bout de champ. C'est ça qui me fatigue, en fait. Je me dis, mais vous vous moquez de... Alors, vous dites normal, ce qui représente vraiment la définition, parce que misogyne, ça veut dire tu hais les femmes. Okay, elles le disent verbalement. Je hais les hommes. Elles sont là, c'est normal, c'est subventionné, il n'y a pas de problème. Par contre, toi, quand tu dis, ouais, ben moi, tu sais, j'ai aussi certains standards, j'aimerais bien avoir une femme quand même qui me fasse à manger, je ne suis pas ta mère, c'est quoi ces propos misogynes? Donc, moi, j'ai l'impression, je pense que. Je me dis, on se moque de nous directement. Enfin, en tout cas, ce genre de femmes, parce que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Hmm? Mais toutes celles qui embrassent le féminisme comme ça, là, pour moi, elles se moquent de nous, clairement. Hein? Elles veulent te manipuler, elles veulent que tu... Tu veux quoi? Que je fasse des galipettes, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Walkies, c'est ça? Hein? Non, non, c'est pas le genre de la maison ici. Donc, on va continuer à dire ce que l'on veut et qu'on a des standards. Donc, Lana haïssait les hommes. Elle avait une drôle de façon de le montrer en caméra. J'ai pas compris, en fait. J'étais surpris qu'il y ait encore d'autres qui disent « Ouais, j'ai haï les hommes, les cheveux bleus et tout. » Mais elle, j'ai pas... C'est comme ça que tu fais quand tu haïs les hommes. Mais donc, voilà, toi, tu... Hein? Et puis surtout, je trouve que c'est un petit peu hypocrite. Excuse-moi, Lana, avec tout le respect que je te dois, mais quand même, toute ta fortune a été construite sur une industrie principalement financée par les hommes. Hein, que ce soit les clients, que ce soit les producteurs. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Je trouve ça un peu... je sais pas. Tu couchais avec des hommes et ceux qui achetaient les films, c'était des hommes. Bref, ne cherchons pas de logique dans tout ça. Je pense que tu... haïssais les hommes parce que tu n'arrivais pas à avoir le résultat que tu voulais avoir avec eux, tout simplement parce qu'on t'a menti, on t'a fait croire que tu peux agir de n'importe quelle manière et tu auras quand même l'homme de tes rêves. Voilà, non, ce qui s'est passé, c'est que ces gars-là, les gars que tu voulais, ben, t'ont juste donné du sexe, tu voulais plus et ils t'ont jamais donné plus parce qu'eux, ils n'ont pas envie de s'afficher avec toi, ils n'ont pas envie que tu sois la mère de leurs enfants. La preuve, même le père de ton fils, il veut même pas. Il dit, je veux même pas qu'on sache. C'est même pas, vous êtes même pas ensemble, il veut même pas qu'on sache. Donc, voilà. À un moment donné, il faut juste entendre que les hommes aussi ont des standards. Et voilà, donc faut pas les haïr parce que les gars aussi ont des standards, vous en avez plein. Voilà les gars, c'est du bon sens. Donc Epiphanie, depuis qu'elle a eu son fils, elle a vu, ah ouais, c'est vrai que là, mince, il va vivre dans un monde où tout le monde le hait, sans raison, où les gens ont peur de lui pour rien. Alors qu'il est gentil, il est innocent, mais nous aussi on est gentil, on est innocent là. Sauf qu'on est un peu plus grand. Voilà. Mais on est pareil. Hein? Et d'ailleurs, je suis sûr, Lana, que tu voudras le meilleur pour lui. Et je suis sûr que tu ne voudras pas qu'il soit avec une actrice X. Got a single 46-year-old woman. She's found herself in an unhappy situation. She's got a lot to say. I want a relationship, you know, that's what I want. I had all the adventures, I have all the stories to tell. You know, I just want somebody that I can count on. All I just heard is that she had all the partying. She was out there finding herself for a really long time, she's 46. How appetizing to a man to know that you got all the nasty out of your system, and now here he is. You want someone reliable and dependable now that you did all that, and he gets to have that consistent image of you doing all the nasty with everybody before because you
just told him. How desirable. Why is the brain dead so thick? I'll tell you why. Because all of these women absorb all of this modern feminism for so long, and women lie to them. They tell them that guys are somehow going to receive that information well. And that guy is just like, bye. See you later. You had all the stories? I don't want to know. I don't want to have to go to the STD clinic either on my way out of here, honey. Et ça, je l'ai déjà entendu, ce truc de j'ai besoin de temps pour moi, pour apprendre à me connaître. À chaque fois que j'entends cette phrase-là, je me dis, oh, she's for the street. Mais d'où vient ce fantasme de croire que quand je serai prête, là c'est bon, je suis prête. Hein, on sait ce que ça veut dire, hein, je suis prête. T'es for the street pendant des années. En plus, elle a abusé de 46 ans. Elle a abusé même de la street. Hein. Et là, elle s'est dit, c'est bon, maintenant je suis prête. Voilà, je suis prête maintenant. Donc les gars, ben voilà, je suis là. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Je sais pas d'où vient ce fantasme, gars. C'est incroyable. Bon, 46, mais même celle qui a 30 ans, elle veut dire, ouais, moi je fais toutes mes études, voilà, et après à 30 ans, à partir de 30 ans, j'ai commencé à me poser. Ou même si elle fait pas d'études, elle dit, oh là, pour l'instant, je m'amuse, attends, il faut profiter de sa jeunesse. Quand j'aurai 30 ans, là, je serai prête pour avoir un gars. Donc tu vas te dire que là, à ce moment-là, genre, le gars, il t'attend. Il est là. Alors bon, j'attends. C'est bon? Ah ok, Géraldine, j'arrive. C'est bon, bah vas-y. Non, bah ça se passe jamais comme ça. Quand tu arrives à 30 ans, tu es en compétition avec des meufs de 20 ans. Donc le marché du dating est super difficile. En plus, tu n'as même pas capté, mais c'est difficile d'avoir des enfants. Déjà, d'une manière générale, c'est difficile d'avoir des enfants parce que à cause de différents facteurs endocriniens, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais juste biologiquement, à partir de 30 ans, ben, les femmes perdent leur fertilité, mais drastiquement. Et ça va qu'en s'empirant. Donc, j'ai jamais compris cette stratégie. C'est le féminisme encore, elle a mis une douille, voilà. Elle a fait croire, oui, tu fais ce que tu veux quand tu seras prête, voilà. Donc, elle, 46 ans, voilà. Donc, là, elle s'est amusée, puis elle attend maintenant qu'un gars vienne la sauver, voilà. Je ne sais pas qui est-ce qui va aller là, honnêtement. To all the girls that go to the gym in underwear, you don't need to believe society that how you have to go to the gym. You can also go to the gym like this, okay? And it does the same effect. You do the same muscle building. You lose the same weight, probably even more because you're maybe sweating a little bit more. So yeah, you don't need to listen to society and show your booty hole in the gym. Alors honnêtement, je pense pas que ce soit la société qui dise ça aux femmes. Je pense juste que c'est les femmes par elles-mêmes. Elles aiment tellement l'attention qu'elles ont besoin de s'habiller de cette manière. Alors après, je ne dis pas qu'elles ne doivent pas s'habiller moulant, mais je vois la salle, je vois les trucs. Ça rentre dans les fesses. Jusqu'où? Ça va où là? Jusqu'où là? Ah ouais, ça rentre. Ah ouais, ça rentre vraiment. Non, on ne sait pas. Et là où je suis vraiment déstabilisé, c'est quand je vois ces femmes-là, elles ont leur gars. Alors encore à la limite, je peux entendre. T'es célibataire, tu vas avoir beaucoup plus d'attention parce que t'es célibataire. À la limite, j'entends. Mais après, quand t'as ton gars, pourquoi tu veux absolument avoir un truc comme ça qui te rentre dans les fesses, comme ça qui... Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles veulent l'attention. Ça, c'est un truc aussi, tu vois, j'avais pas capté directement à quel point les femmes, elles aiment l'attention. Mais si elles sortent à moitié nues dans la rue, c'est pour avoir l'attention des hommes. Point barre. Ça veut pas dire qu'elles veulent coucher avec toi ou qu'elles veulent que tu viennes lui parler. Non, c'est juste... Elles veulent que tu la regardes, voilà, voilà, l'attention. How is a happier marriage going to occur when a woman is forced to do something she doesn't want to do? An unhappy wife does not equal a happy marriage, right? Do women have any obligations in marriage? Yes, to be an equal like what? As a teammate. No, partner is not an obligation. What is a duty of a wife? Does a husband have a duty to provide for his wife? No, just love, respect and trust. Western law, Islamic law, do women have any obligations in marriage? No, because you're setting up predefined ones. I'm saying let two people decide for themselves. The man cannot decide for himself. He is forced by law to pay for the women that he has with his children. He has to be held accountable for the decisions that he makes and the contractual agreement that he's made to enter into a marriage. But I ask you if women have any obligations, and you can't think of a single one. Women have the child-rearing obligation. That's always on the woman. Oh, so they don't have reproductive choice? They can abort whenever they want? Up to a certain level, yes. So then what's the obligation? That's the question. So you just negated your point. Donc gros classique, hein, comme d'habitude, je veux un homme traditionnel, mais je veux pas être une femme traditionnelle, hein, parce que sinon moi je suis... Comment ça je dois avoir des devoirs en tant que femme? C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont changé le mot, elles appellent ça partenaire. Non, t'es pas ma partenaire, t'es ma femme ou pas. D'ailleurs c'est pour ça que tu veux te marier, ok? Tu veux pas te marier pour être mon partenaire, tu veux te marier pour être ma femme.
Donc c'est femme ou rien. Enfin, c'est quoi ton problème? Tu veux le titre, mais tu veux pas les devoirs, tu veux essayer de modifier les mots. Ah. Donc non, moi je veux pas avoir de devoirs en tant qu'épouse, parce que sinon je suis malheureuse. Et si je suis malheureuse, le mariage, c'est pas bon. Tu seras malheureux aussi. Non, non, tout ce qui va se passer, c'est qu'on va juste pas marier ce genre de femme. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que oui, les hommes ont des devoirs, et il n'y a aucun homme qui le nie. Voilà, et au contraire, tout le monde accepte, on est content, ça s'appelle être un homme en fait, on est même fier de ça, hein, assumer être un homme. Après, je ne te dis pas que tous les hommes assument, mais la plupart quand même, c'est dans leur essence. Ils veulent être un homme, ils veulent pouvoir protéger leur femme, la mettre en sécurité, que ce soit physique, financièrement, être là pour aller en guerre s'il faut. C'est l'essence d'un homme. Est-ce qu'il n'y a pas deux, trois lâches qui traînent? Oui, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la loi, comme il a pris l'exemple, la loi même t'oblige à avoir des devoirs. En tant qu'homme, ça veut dire que la femme elle peut choisir d'avoir un enfant. Toi, tu dis non, en fait, je suis pas d'accord. Comme Lana Rhodes, peut-être ça se trouve, Lana Rhodes, le gars lui a dit je veux pas, et elle, elle a insisté, elle a quand même gardé. Voilà, ben, qu'est-ce qui se passe comme ça? Ben, t'as aucun droit, tu peux rien faire. Voilà. Mais elles sont oppressées par le patriarcal. De qui se moque-t-on, sérieusement? Je suis désolé, c'est juste que des fois, quand je fais des trucs gros comme ça, tu vois, je suis obligé d'en parler. Bon, jusqu'à toi qu'ils me mettent un gros coup de pression. Hein. S'ils me mettent un gros coup de pression, hey, t'arrêtes de parler! J'arrête, bien sûr. Oui, patriarcal, oui, tout le monde est oppressé. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai vu ce qu'ils ont fait à. On peut même plus dire son prénom. J'ai vu ce qu'ils ont fait à l'autre alors qu'il est multimillionnaire. Oui, oui, pas de problème. Oui, elles sont toutes oppressées. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc on s'égare, bref. En tout cas, tout ça pour dire que. Bah, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Donc elle décide d'avoir l'enfant et elle peut même après réclamer une pension alimentaire. Pourquoi? Parce que c'est sous la responsabilité de l'homme. Point barre. Ah, très oppressé. Elles sont très oppressées, là. Donc le classique d'une femme moderne, je veux juste rien faire, privilège, je sais pas, le privilège de la beauté, elle s'est dit, elle est au-dessus de tout, en fait. Voilà. Finalement, comme je suis belle, comme je suis juste une femme, c'est même pas belle. Maintenant, c'est même pas belle. C'est une femme. J'avais fait une review d'une meuf. C'était un 5 à best. Elle se sentait... Elle méritait plein de trucs. Juste parce que je suis... Juste parce que je suis, voilà, ben je mérite plein de choses. Donc là, c'est ce qu'elle s'est dit. Elle s'est dit, mais en fait, pourquoi je devrais avoir des devoirs? Ben non, j'ai pas envie de faire à manger, ça me rend malheureuse. J'ai envie de rien faire, en fait. Et en plus, c'est même pas que moi, je suis tant attaché. Là, je parle personnellement. Hein. Il y a des gars, non, ils sont attachés à ça, ils veulent que leur femme leur fasse à manger. Moi, c'est même pas que je suis spécialement attaché à ce que tu me fasses à manger. Si tu le fais, c'est toujours mieux. Évidemment, c'est des points en plus. Faut pas oublier qu'on est dans une compétition. Hein. C'est la vie, ça. Mais c'est juste le principe même de comment tu penses. Si dans ta tête, t'as même pas envie de prendre soin de moi d'une manière qu'un homme attend, bah pour se marier, pourquoi? En fait, la question, elle est vite répondue. Hein. Parce que là, ces femmes-là font des débats. Oui, mais si jamais on est malheureuse dans le mariage, alors tu veux nous faire... Tu veux que je fasse des trucs que j'ai pas envie de faire, hein? Ok, pas de problème. Oui, si jamais, genre, je vais aller en soirée, comment ça, je peux pas aller en soirée? Pas de problème. Tu peux aller. Tu peux ne pas faire à manger. C'est juste que tu seras célibataire. En tout cas, tu seras pas avec moi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo. Un j'aime pas, comme tu sais, je fais des vidéos un peu mainstream pour pouvoir toucher un maximum de personnes et pour pouvoir aider les personnes qui ont envie de se lancer et de quitter le métro-boulot et créer leur business en ligne. Tout simplement, être indépendant financièrement, c'est possible, je l'ai fait. Ok, t'as une étude de cas où je te montre comment créer un business en ligne et faire les 5000 euros par mois avec l'intelligence artificielle. C'est gratuit, c'est offert. Clique sous le lien dans la description. Et les gars, on lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp.